Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. Aujourd'hui, on va tester et découvrir ensemble le jeu Florence. Je suis super méga impatiente, on m'a dit qu'il était tout mignon. Donc écoutez, c'est parti. Vous avez sorti votre café? Chapitre 1, adulte. Pourquoi j'ai une main? Je pense qu'elle est coréenne, non? Avec son nom de famille. Oh. Ça sent la mignonnerie en bar, c'est-à-dire? Je suis censée faire quoi là? Oh! Ah, faut trouver les mêmes chiffres, mais c'est facile. C'est ça son boulot? Oh, bah, je veux bien être embauchée, moi. C'est payé combien de l'heure? Ouh, la pression de la maman là. Ah dis donc, ouais, 25 ans, hein, ouais. Ces journées sont tristes quand même, hein. Ah, d'accord. C'était court le chapitre... De souvenir, chapitre 2. Hein? Ah, on peut pas prendre des trucs? Oh, il y a un petit koala! Elle a 7 ans. D'accord. Bon, bah on va s'amuser. On s'amuse comme on peut. Je sais pas du tout ce que je fais. Oh, on peut changer les couleurs. Je viens de voir ça. Mais ça te change tout, du coup tu changes pas qu'un truc en fait. C'est de la merde. Bah écoute, tiens. Voilà, c'est magnifique, on adore. Ah. C'est beau. Waouh. On adore. On adore. Oh là, c'est... Ah. Oh non. Alors ne vous moquez pas de moi, je suis hyper nulle en calcul mental. Hein? 18, 19, 20. Merci. Merci de ne pas avoir fait durer le supplice trop longtemps. Je vais avoir beaucoup de devoirs comme ça ou... 7 ans. Oh, c'est mignon. On peut remonter le temps dans l'autre sens? Non.
Ah. Oh, c'est triste. 25 ans. Les centres d'intérêt qui changent, ouais. Malheureusement. La musique. Oh. Mais oui, le chien en aime. Faut que je fasse quoi? Ah, que je le range, ok. Comment je fais pour marcher? Oh, non, ok. J'ai compris. Elle se laisse porter par la musique. Ouh. Est-ce que je peux l'embêter? Non, je peux pas. Par contre, c'est vrai que c'est bien de se déconnecter. Oh, elle est amoureuse! Elle est amoureuse? Oh! Acte 2, une rencontre percutante. Ok. Ah, fallait cliquer. Ça sent le caca. Oh, c'est quoi ça? Ah, est-ce qu'il faut que je mette pareil? C'est des trucs de... Ah! Oh! Oh, il faut que ce soit pas flou l'image, d'accord, j'ai compris. Oh! Oh, j'ai compris. Donc on a vu Roger, hein? Comme ça? Oh yes. On a acheté des citrons en plus. J'ai faim. Ah mais alors là, la honte quoi. La honte. Ça range ça ou ça range pas? Oh! T'imagines la rencontre? Vous êtes tout flou, monsieur. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ah si, ça y est, on commence à le voir. Yes! Comment se taper la fiche? Ah bah ça va, il discute tranquille. Oh, il nous donne son numéro. Ah bah dis donc. Ah bah on va laisser poster, hein. Chapitre 5, premier rendez-vous. Ah déjà. Eh mais ils perdent pas leur temps en fait, eux, hein. Ils sont au café psy. Comment ils nous regardent? Elle est toute rouge, toute gênée. Il essaye de communiquer. Ouh. Alors. La fille première date, le mec sort une phrase. La fille, ce qu'elle pense, c'est « Oh, il essaye de communiquer. » Ok. On a du mal à communiquer, je crois, mais on y arrive. Il doit attendre à chaque fois que je passe le puzzle pour avoir la réponse. Il est patient? Oh, il y a moins de pièces, là. Ok, c'est bon. Queen Victoria Market. On va faire au marché. On achète quelque chose. Il essaye de communiquer. 4 pièces. Ça va le faire. Oui. Mais dis donc, c'est... Oh, il y a encore moins de pièces. J'ai l'impression que c'est parce que plus ça va,
plus c'est facile entre eux la communication, non? Par contre, il est bavard, hein. Très bavard, le mec. Hein. Et c'est bon, arrêtez de parler, là. Oh, ils vont à un concert. La glace? Ah non, c'est pas un concert. Oh, ça va. Dernier puzzle, une pièce de puzzle. Le puzzle le plus difficile du monde. Oh, il se rapproche. Attention. Excusez-moi. Oh. Les bijoux, les bijoux. Oui, oui, je peux gratter. Non, je peux pas gratter. Ok. Acte 3. Rêve. On va éviter de les embêter, même si j'adore embêter. C'est quoi ça? Ah, c'est pour l'argent, d'accord. Il nous parle. Ah, faut bouger? Non, non, non. Ah, faut qu'on monte cette fois-ci, d'accord. Ah. Ah oui, ça va. Il voit les choses en grand. Hein. Oui, oui. Oh bah oui, il voit les choses... Alors moi, je serai une star, tu vas voir. On me demandera des autographes et tout, là. J'aurai le sourire américain. Ah, et puis elle a pas de rêve, c'est triste. En fait, sa vie, elle est toujours ennuyante, je crois, la pauvre. Ah. Oh. Elle se souvient de ça. Pourquoi elle ne recontacte pas ses amis? Est-ce que vous avez déjà essayé de recontacter vos amis d'enfance ou pas? Savoir ce qu'ils sont devenus et tout? Hein? Oh! Elle va essayer de peindre. Ok. Fais du tout. Chapitre 7. L'inspiration. C'est chez lui, ça? Oh! Ah oui, d'accord. Oh la vache! J'ai tout gratté, là? Gratté, dédé. Il manque un truc? C'est vrai? Il manque quoi? Il y avait quoi à faire avec les posters? Bon ben voilà, c'est parti. Alors j'aime bien, parce qu'elle va s'imaginer du coup, le gars, sa chambre c'est toujours comme ça, il est nickel. Mais si un jour ils vivent ensemble... La désillusion les amis, la désillusion. Ah, en fait, oh. Si jamais vous êtes une fille et que vous passez sur cette vidéo YouTube, vous allez chez un mec regarder sous le lit. Si vous voyez plein de bordel d'entassé, c'est qu'il a essayé de faire le ménage très vite. Oh! Oh! Mais je croyais qu'il savait déjà faire de la musique. Mais pourquoi il est gêné? Il lui a dit que c'était son rêve. Oui? Oh! Hé! Gratter, gratter, gratter! On le pousse, hein. Ceci est un... Oh. Ah bon, on le dessine. Hein. Elle est à fond dans lui, en fait. Hein. C'est vraiment l'amour de sa vie. Hein. Je suis méchante. Chapitre 8. Exploration. Exploration de quoi? Promenade en forêt. Ok. Leçon de skateboard.
Ça va, ils font plein de trucs ensemble. Ensemble. Galerie d'art. Elle a rencontré sa famille. Premier sushi, et on voit qu'il aime ça, hein, le... Ouh. Et ils sont allés à un concert. Oh, les amis! Elle a rencontré ses amis. Alors... Ah d'accord, il y a d'autres souvenirs. Non, parce que lui, il lui a fait rencontrer sa famille, ses amis et tout, mais... On dirait que elle lui a pas fait rencontrer sa famille et tout. Acte 4, les courses. Ah mais ça, c'est les trucs les plus ennuyants à faire en couple. Faire les courses. Tu viens, on va aller dans les rayons de supermarché. Ça va être trop bien. Ah. Communication. Oh, et lui, il fait ses phrases tout seul, c'est bien. Ah. Oh. Ah. Ouh, il y a un désaccord. Attention. Moi, je veux manger de la pizza, je veux manger bien gras et tout. Non, moi, je veux manger des sushis bien équilibrés et tout, hein. De la salade. Mais je ne peux pas vivre que de salade. Ah non, on fait la course. Je ne te laisserai pas gagner, Kirsch ou Kirsch, je ne sais pas. Je ne te laisserai pas gagner, je fais les phrases plus vite que toi. Allez, vite. C'est salade ce soir, moi je te dis. Oh, ils sont disputés rien que pour des courses? Et si on faisait les deux? Une salade et pizza. Se disputer pour des courses, les amis. On tombe bien bas, quand même. Hein. Bah ouais, c'est pas con comme idée. Réconciliation. Je vous ai fait les dialogues. Ah, bah voilà. Mais il cuisine quoi, du coup? 6 mois plus tard. Déménager. Ouh. C'est là où elle va découvrir que... Il ne range pas si bien que ça, le petit. Alors, qu'est-ce qui nous ramène? Il a pas voulu payer les courses, c'est pour ça la dispute... Ah, tu penses... Hop, oh. C'est vrai, ce serait pas cool, hein. Faut partager. Hein. Est-ce que je peux mettre mes bottes là et lui, on lui met ses chaussures d'été là? On va lui mettre ses chaussures ici... Ça ici. Ah. Alors attends, nous on a une paire de bottes. Ballerine, chausson. On va pas prendre 30 000 trucs. Allez hop, viens là. C'est bon. Est-ce qu'on a déjà un toaster ici? Oui, on en a déjà un là, donc pas besoin. Les épices, c'est bon les épices. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est aussi des épices ou pas? Pourquoi je peux mettre nulle part? Oh! Je vois le Nutella, il est impossible que j'enlève le pot du Nutella, les amis. Alors ça... Oui. Est-ce que je peux te le caler quelque part là? Désolée, je parle très mal, mais je parle du petit truc pour écraser les épices. Ça? On en a déjà une là? Est-ce que c'est la même chose? Ça, on l'a aussi. Ketchup. Mais arrêtez.
J'ai pas envie de ranger le pot Nutella. Ça, il est impossible que je range parce qu'il aime ça aussi, parce que c'est aussi dans ses trucs. Ouais, top, y'a. Désolé, mec, hein, mais là. Voilà. La fille est trop chiante. Ensuite, la brosse à dents. Mais c'est le bordel chez elle aussi, en fait. Oh! Alors ça, on l'enlève. De toute façon, c'est moche. On met ça. Attends, c'est quoi ça? On va lui mettre sa planche de skate. Il y a trop de bouquins, Germaine. La musique, c'est bien la musique. Ces CD, pardon, les CD. On va les mettre là. Ça. Ici. Oh non, on laisse la bougie. Hein. Désolé, on laisse la bougie. Et ses parents à lui, il faut quand même qu'il se sente chez lui. Oh, j'avais envie de laisser la bougie. Ok, j'ai une idée. Trop de livres, tu. Voilà. Trop de livres, tu. La cafetière italienne était mieux. Ah ouais? Ah mince. Ils sont heureux. Académie de musique, audition aujourd'hui. Ah. C'est... Oh! Il l'encourage, c'est trop mignon. Il l'encourage dans ses rêves aussi. Je trouve ça trop bien parce qu'elle l'a poussé vraiment à l'académie de musique. Et lui, il l'encourage aussi. Le bonheur à deux, chapitre 11. Oui. Ils font dodo. Ils mangent ensemble. Oh. Voilà. J'ai faim, hein. Ah. Est-ce qu'il faut que je mette les mêmes trucs que lui? La fille qui répète tout. C'est quoi cette tronche? Ah non, c'est sa photo, d'accord. Elle fait tout toute seule, mais c'est génial. Ça a l'air bon leur truc là. Ah, elle dessine avec des couleurs maintenant. Acte 5, la routine. Ça commence à sentir le caca. Le caca, les amis, un an plus tard. La routine au bout d'un an. Enfin, un an et six mois pour la relation. Un an de vie commune. Ah oui, effectivement. Même lui, il se laisse aller, là, monsieur... Faire la course avec lui. Mais il s'ennuie de ouf. Il est... Oh. Elle aussi. Et il faut faire quelque chose là, une activité. Il faut partir en voyage et tout là. C'est triste. Il a même plus de plaisir à jouer de la musique. Ça c'est le truc qu'on dit, oui. Mais pourquoi on lui dit pas qu'on a déjà quelqu'un? C'est en fait, on lui a toujours pas dit à notre mère, c'est bizarre. Hein, le début des embrouilles et reproches, ouais. Oh, et puis maintenant ils cuisinent même plus ensemble. Et ils mangent mon plat préféré. J'adore la pizza. Chapitre 13, érosion. Oh non! Vous êtes prêts?
Ah, bah, plus ça va, plus c'est waouh. C'est comme quand on voit des gens au restaurant, des couples au restaurant, et ils sont au lieu de se parler et tout, et d'être ensemble et de profiter du moment, de vivre le moment présent, ils sont en face à face, mais sur leur téléphone, chacun. Moi, ça me tue à chaque fois, je comprends pas. D'accord. Ça devient super triste. Querelle, encore. Tant que c'est pas pour les courses, s'il vous plaît. Ouais, la joie à la maison, hein. Ah non, va falloir faire la course avec lui encore. Vous êtes prêts? Ah ouais, il est énervé là. Vous avez vu comment il bouge les pièces et tout là? Bah moi aussi, hein, je vais faire comme si elle la regarde. Tant de violence, monsieur. Regarde. Moi aussi, hein. Moi, t'es où? J'aime bien parce que ça change aussi la forme en fonction de s'il parle gentiment ou pas gentiment pour emboîter. Et une petite enfant mort de rire, qui ça? Oh! Moi d'abord! Moi d'abord! Moi d'abord! Si! Moi d'abord! Je suis. Méchante! Ça fait quoi si j'arrête l'argument? Vas-y, je ne te réponds pas, ça te fait quoi? Ah non, attends, il est en train de m'écraser! Eh oh! Tu te calmes, ok, j'ai voulu arrêter la dispute. Mais ça se fait trop pas. Je veux arrêter la dispute et le gars... Ben voilà, tu prends la douche tout seul. Pour la peine. Mais sans... Oh. Voilà comment passer la meilleure nuit de notre vie. Ah. Bah non. Je fais comment? On peut pas. À la dérive. Vous êtes prêt à pleurer? J'espère que vous avez sorti votre paquet de mouchoirs, moi je l'ai, hein. Parce que là je sens que... Comment tu fais? Comme ça? Comme ça? Reste là toi, s'il te plaît. Quand même. C'est qui a déchiré cette photo là? Qui a osé faire ça là? Ah non! Sérieusement? Bon bah voilà, ok, il y avait ça qui était à lui. Ses tongs. Non, la photo on la garde? Je peux pas lui donner de toute façon. Est-ce que ça c'est à lui ou pas? Je me rappelle plus. Bah tiens, ça c'est à moi. Est-ce que je lui donne mes chaussons la paix? Non, s'il est la paix quand même. Je lui donne mes ballerines en souvenir. Ah, je peux pas. J'imagine la fille qui est. Peux pas lui donner nos ballerines. Alors il y avait les épices là, le truc pour écraser. Ça. Ça c'est à lui ou pas? Je me rappelle plus. Tiens. Pourquoi il y a deux sauces? Il y en a une qui est à lui.
Mais il m'a piqué des trucs, hein. Moi, il y a des trucs, ça s'appelle reviens aussi, arrête. Criche. Pourquoi on a deux grippes, hein? Ça paraît bien vite. Alors, il y a son éléphant. Eh, elle est où notre bougie, là? Hein? Son skate. Sa photo de famille. Ça, ses CD. Mais c'est vide de ouf, là! Vous êtes en train de chialer? C'est dans les moments difficiles qu'on voit si on est fait l'un pour l'autre. Les débuts, c'est... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hop. Ah bah les hormones, c'est pas fini, hein? Else... Ah... Moi je dis... Oh non, la petite bichette. Pouic pouic, gratte sur le dos. Ah. Sympa. Mais je comprends. Acte 6, fragment. Chapitre 17. Bisous. Adieu, mon amour. Plus folle. Non, en vrai, c'est triste. En vrai, c'est triste. Ah oui, hein. Oh non, vas-y, arrête, sois pas déprimé comme ça. Caresse maman. La fille folle. Excusez-moi. Lâchez prise. Oh mais non. J'imagine que je dois y aller. Comment je fais pour y aller? Laisse-moi partir, Krish, s'il te plaît. Yeah. Ah comme ça, je la retiens? Oh, je la retiens. Regardez. Je reste avec toi, Krish. Je reste avec toi. Bon, allez, on la laisse partir. Allez, cours plus vite. Cours, Florence, cours. C'est triste. Réveille. Oh. Oui, prends ça, oui. Hein? Ah, elle va se remettre à la peinture. Alors pourquoi elle avait arrêté? C'est ça aussi la question. Faut jamais arrêter ses centres d'intérêt hein, quand on est en couple. Hein. Oh. Oh, la plante, elle pousse aussi. Les saisons passent. Les années passent. Elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Super. La cuisine avec maman. Deuxième prix, trop bien. Club de dessin. Tartine, elle s'est acheté un chat. Florence est aux boutiques. Oula, 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 oula. Elle fait fortune. Elle a plein de likes sur Instagram. Elle en a plus que moi. Alors, 82, 84, 18, 68. Elle se fait plein d'argent. Ça va, elle a le succès. La vie continue, chapitre 20. Oh, elle démissionne, on se cache. On se cache. On a trop travaillé pour vous. On prend le clavier. Hein? On peut prendre le PC. Belle journée avec Kirsch. Ouais, ouais. On garde. On garde. Maintenant, elle y pense avec le sourire. Hey.
Hein? Lala. Quick, quick, monsieur. Oh! Je vais taper sur le dos. Ça les a fait pop. Quick, quick, tais-toi. Mais non, ça marche pas. Quick, quick. Excusez-moi. Ah! Quick? Je crois que je vais faire quick aux gens plus souvent dans la vraie vie. Oh, le petit chat. On peut pas le caresser. Et voilà, elle est heureuse, épanouie. Mais c'est bien. C'est la fin. C'est bien qu'elle ait réussi à passer à autre chose. On dirait que c'est la fin, mais oui. Annapurna, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le jeu est sympa, non? Ça m'a fait penser à une phrase, attendez, faut que je retrouve cette phrase. Ça fait genre tout ce qui pouvait la rendre heureuse, elle l'avait déjà dès le début, oui. Je suis d'accord avec toi, Else. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça montre que dans la vie, on a des expériences, des fois on a des relations. C'est triste quand ça se finit, mais à la fin, en fin de compte, on apprend tous les uns des autres. Pas forcément que dans les relations amoureuses, ça peut être des amitiés, des fois il y a des amitiés qui se terminent aussi. Quand ça se finit, ça fait très mal. Mais en fin de compte, les gens nous apportent des choses, et après c'est les souvenirs et tout, et ce que les gens nous ont appris comme leçon de vie qu'il faut chérir. Alors, un message que j'avais écrit sur le Discord, c'est « Le train de ma vie ». Ce message n'est pas de moi, c'est de Jean d'Ormesonne. Je sais pas si vous connaissez. Alors je vous lis. « À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants. Notre fratrie, amis, enfants, même l'amour de notre vie. » Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec toutes les personnes pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Jean d'Ormesonne. Qu'en pensez-vous? On grandit avec les épreuves, tout à fait, hop. Donc leurs relations sont finies, mais il a quand même eu une influence dans sa vie. Il l'a inspirée, je pense, parce que sinon elle était toute timide, elle était refermée dans son cycle de routine. Métro, boulot, dodo, je me brosse les dents. C'était ça sa vie. Hein. Et après, il lui a raconté ses rêves, et là elle a revu la peinture et elle a pensé à peindre. Il l'a encouragée à peindre en lui achetant de quoi peindre, et voilà. C'est dommage qu'elle l'ait pas fait plus pendant qu'elle était avec lui, en fait, je pense. C'est pour ça qu'il est important de ne jamais abandonner ce que vous aimez. Peu importe si vous êtes en couple ou quoi, faut s'épanouir dans la vie. Violette Sim YouTube, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous voulez me soutenir, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt.